J'ai reçu mon chargeur voiture, donc je l'ai remis dans la boîte pour la présentation, mais je l'ai déjà testé et honnêtement il est super. C'est pour ça que je fais une vidéo, donc ça va pas durer 15 minutes hein, parce que c'est un chargeur allume-cigare avec des sorties USB. Mais voilà, il faut remercier de la qualité du produit, je prends 5 minutes pour le présenter. Donc on a un chargeur voiture traditionnel pour mettre dans l'allume-cigare, voilà, qui est tout petit. Il doit faire à peu près 8 cm de long par 4 cm par 2 cm et demi. Donc c'est vraiment, ça tient dans une main, hein, voilà, c'est tout petit. Il y a deux sorties USB, une à charge rapide, USB 3, celle-ci est USB 3, c'est-à-dire qu'elle charge deux fois plus vite que celle-ci, en fait. Donc deux sorties USB et une troisième sortie ici, donc ça c'est... je l'utilise pas, normalement c'est pour les appareils Apple, c'est les nouvelles USB type C, c'est un embourron qu'on peut mettre dans les deux sens, dans un sens ou dans l'autre, voilà. Donc ça je m'en sers pas, c'est pratique pour ceux qui ont des appareils iOS. Donc USB 3 ici, USB normal ici, donc la première entrée charge rapide, 2 ampères pour celle-ci, la sortie USB type C, donc c'est celle-ci pour certains Nokia, certains Apple, certaines tablettes aussi de chez HP, de chez Google. Celle-ci fait 3 ampères max, donc c'est normal, hein, c'est du USB type C. Et la sortie 3, non, je me suis trompé, c'est celle-ci, la sortie 3, elle fait 3 ampères et celle-ci fait 2 ampères. Donc il est assez petit. C'est fourni avec un câble micro USB, USB 3. Voilà, 1m20, 1m50. Il est plutôt de bonne qualité. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, parce que j'en ai déjà un dans la voiture. Il doit coûter à peu près une douzaine d'euros, je ne sais plus, mais honnêtement, voilà, ça les vaut, quoi. Hein, c'est pas une chinoiserie à 2 sous, comme il y en a sur Amazon, hein, 1,50€ le chargeur USB, USB 3 sorties, vous le mettez, vous le branchez une fois, ça a claqué, ça sent le chaud. Là, on est tranquille, hein. Honnêtement, vous l'envoyez, j'ai mis 2 tablettes en même temps. Il n'y a pas de problème, hein. Ça charge plus vite qu'elle se décharge en regardant une vidéo. Donc c'est sans souci. Et puis même en termes de qualité de fabrication, c'est du plastique ABS. C'est hyper résistant. Il n'y a pas de. C'est hyper résistant. C'est bien fini. Et il y a des protections contre les surintensités, les surcharges, les surchauffes. Coûte 10 euros et honnêtement, les chargeurs voitures, tout le monde en a besoin. Hein. Donc 5 petites minutes pour remercier le fabricant, le vendeur et vous faire part de mon ressenti. C'est un très bon produit, de très bonne qualité. Et si vous hésitiez avec un autre pour l'acheter, que ce soit en termes de prix ou d'ampérage ou quoi que ce soit, vous pouvez acheter celui-là sans souci, il n'y a aucun problème, j'en suis satisfait.